personnes qui viennent de Dieu, qu'on fait de l'instrument, que nous devons toi de consacrer à Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, j'ai pris ma parole, Seigneur. Voilà, veuillez vous asseoir. Toute une cérémonie ce matin. Et la gloire revient à Jésus. Prenez vos billes, s'il vous plaît. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. J'ai commencé un enseignement cette semaine. Comment détruire les œuvres mystiques, comment détruire les œuvres démoniaques. Amen. Amen. Alléluia. Comment détruire les œuvres démoniaques. Et j'ai dit, avant de parler de comment détruire les œuvres démoniaques, j'ai abordé un thème, j'ai dit comment les démons entrent dans la vie d'un être humain. Comment les démons entrent dans la vie d'un être humain. Vous savez que les démons disent démons. Les démons veulent dire démolir, c'est ceux qui viennent détruire. C'est la définition du nom démon. Ils viennent dans la vie des gens pour les détruire. Les démons n'ont jamais fait du bien aux gens. Amen. Amen. Ils détruisent les gens. Comment les démons entrent dans la vie des gens. Il y a des gens qui sont là mais qui vivent avec des démons. Ils sont là qui vivent avec des démons, ils ne savent pas. C'est vivre avec des démons. Il y a une maladie, il y a des démons. Il y a un divorce, il y a des démons. Donc il y a des démons. Comment les démons entrent dans la vie de quelqu'un. Est-ce que nous allons voir d'abord. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle démon? Deuxième démon, les démons. Nous prenons la Bible, chapitre 12, de Apocalypse chapitre 12. Nous sommes en un culte. Mais écoutez très bien. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. C'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse. Le chapitre 12, le verset 7. Si vous êtes la lecture, le verset 7. La femme est là. Elle est où? Hein? Vous l'envoyez. Allons-y. L'œil. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, c'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. C'est vrai que quand les gens disent que le diable est dans le deuxième ciel, faut dire non. Amen. Les gens disent non, Satan se trouve dans le deuxième ciel. On dit, régissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Amen. Dans le verset 7. Et Apocalypse 12, on dit qu'il y a eu guerre dans le ciel, n'est-ce pas? Il y a eu guerre, ça veut dire qu'il y a une rébellion. Satan, c'est-à-dire les démons là, ils ont un patron qu'on appelle Satan. Mais avant de devenir Satan, on l'appelait Lucifer, qui veut dire l'ange de lumière. Donc quand tu fais une délivrance et que la personne te dit le Lucifer, tu dis tu mens. Il ne s'appelle plus Lucifer. Ce nom là, ça veut dire l'ange de lumière. Il n'est plus Lucifer, il est devenu dragon serpent. Et son nom propre, c'est Satan. Tout sa carantée là, c'est Satan. Son destin de naissance, c'est Satan.
C'est ça qu'on dit pas de Satan. Est-ce qu'on a bien saisi? Il y a une rébellion. Et Satan, qu'on appelle aussi Satan, Lucifer, il lui dirigeait la chorale de Dieu. Amen. Il avait dit tout était bien. Et puis il a monté une rébellion dans le ciel. Cette histoire de rébellion là, ça ne date pas d'ici, c'est pas maintenant. Depuis le ciel. Il va managuer les anges, qu'on appelle aussi les anges de Dieu. Ils ont commencé une rébellion dans le ciel. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu va prendre Michael. Il va aller dans le ciel. Chaque ange a son ministère. Gabriel, lui, le ministère, le ministre de la communication. Lui, parle seulement. Quand il y a un message, c'est Gabriel qui envoie ça. L'archange Michael, lui, il est là pour combattre. C'est le ministre de la défense. Mais je ne vous ai pas dit d'aller prier Michael. Là, vous dites Saint-Michel, cher. Saint-Michel, cher. C'est lui qui doit m'adorer. Pourquoi? Parce que je suis créé à l'image de Dieu. Amen. Oui. Les anges sont à nos services. Tu adores ange, c'est d'idolâtrie. Je vous ai jamais d'appeler un ange. Vous savez, les gens disent, dans un combat, Saint-Michel vient. Toi, tu as perdu le combat. La Bible dit, Dieu t'a donné le pouvoir sur le démon. Ce n'est pas l'archange qui va venir. Le nom de Jésus suffit pour paralyser un démon. Amen. C'est quel Michael qui va venir devant nous? Non, j'envoie l'ange Michael. Tu as perdu le combat. Jésus dit, lui dit, verset 19, je donnais le pouvoir à mon nom de marcher. Il n'a pas dit l'ange. Il n'a pas dit qu'un ange va venir marcher sur. Il a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Il n'a pas dit d'envoyer un ange dans ton combat. C'est quelle histoire d'envoyer l'ange Michael? Vous banalisez les paroles de Jésus bien. Amen. Amen. Nous avons le pouvoir. Ce n'est pas un ange qui doit nous aider dans un combat. Toi, tu as le pouvoir, c'est fini. Amen. Mais dans le ciel et la guerre, Dieu va prendre l'ange pour dire, va le combattre, le plaisanter. Il allait dormir. Il dit, il faut régler le problème des rébellions dans le ciel. Ce petit, la comédien, là, chasse le du ciel. Il a chassé Lucifer. Quand il est descendu sur la terre, on l'appelait Satan. Comme la montée des rébellions avec des anges, qu'on appelle les anges dessus, eux, on l'appelle les démons. Ils sont descendus sur la terre, ils sont passés à faire leur royaume. On dit malheur à la terre, à la mer. Quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur. Coulez. Il est diable, il est fâché. Il n'a pas démangé. Diable, il veut dire adversaire. On l'appelle diable. Son travail sur la terre ici, là, c'est d'attaquer l'être humain. Pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est tout son problème, ça. Amen. Amen. C'est ça qu'elle est descendue dans le jardin, il va poser la question à la femme. Est-ce que Dieu a vraiment dit, si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu? C'est pas qu'il a dit. Mais oui. La femme lui a dit, mais oui, je suis à l'image de Dieu. C'est tout. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Elle lui a dit, mais je suis déjà à l'image de Dieu. Je ne cherche même pas à devenir comme Dieu. Parce que je suis déjà à l'image de Dieu. Amen. Amen. Tout son plan sur la terre, c'est de te détruire. Tout son plan sur la terre, c'est de détruire l'être humain. Ce sont des esprits. Ils sont plus nombreux que les êtres humains. Vous voyez, dans un corps humain, tu peux avoir 1000 démons. Oui. Mais Jésus a chassé une légion, vous savez, 120 démons, dans la vie de posséder des gaga. Vous voyez, les démons sont partout, les démons. Les démons, ils sont partout. Comment ils rentrent dans la vie d'un être humain? Comment? Par le péché. Et la définition du péché, c'est la désobéissance à Dieu. Quand on parle de péché, les gens citent des péchés. Non, c'est... non, non, non. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Le jour où Ève a désobéi, Satan a pris sa vie. Vous perdez souvent les combats parce que Satan vient vous en pousser à désobéir à Dieu. C'était près de la victoire. Et puis il y a un péché qui vient te faire Dieu, qui fait que Dieu s'éloigne de toi. Le péché là, c'est la désobéissance à Dieu. Satan lui sait une seule chose. La seule chose qui peut amener Dieu à s'éloigner de toi, c'est la désobéissance. Tu vois, les gens pensent que non, ils n'ont pas leur part dedans. Non, c'est Dieu qui doit tout faire. Non, non, non. Tu dois obéir à Dieu. C'est tout.
Dès que tu commences à désobéir, un démon rentre dans ta vie. C'est fini. C'est la désobéissance. Qu'on appelle péché. La désobéissance, c'est tout. Vous commencez un combat, vous avez l'impression que vous êtes en train de faire le combat. Hein? Si tu as perdu un combat, il faut bien réfléchir. C'est que tu as fait quelque chose à Dieu, tu ne l'as pas plu. Et Dieu a permis à Satan de gagner le terrain. Pourquoi non? Le Seigneur m'a laissé. Il n'a pas laissé, c'est toi qui as laissé le Seigneur. Amen. C'est toi qui as laissé le Seigneur. Le gars, il te connaît. Tu cries feu, là, il s'y connaît tes faiblesses. C'est quand Jésus a eu faim, que sa passion n'est pas venue. C'est le jour où il a eu faim, il a voulu manger. Satan dit c'est le bon moment de le séduire. Si tu veux, il faut prendre faim là, tu mets sucre dans l'eau, tu vas manger. Tu as faim, non? Hein? Tu as faim. Jésus a dit quoi? L'homme ne quoi? C'est là le problème. On ne peut pas dire à Satan. On dit non, quand j'ai fini, il a demandé pardon à Dieu. Dieu est beau. Le jour où Saül, Esaü, a banalisé son droit de naissance, c'est fini, il a perdu la grâce. Ça a tourné les camps. C'est Jacob. C'est ça ton problème. C'est le problème, ça. Tu as perdu le combat. Parce que Satan t'a proposé la désobéissance. Tu l'as accepté. Et c'est fini, tu as perdu le combat. La désobéissance, c'est-à-dire le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Quand tu désobéis, Satan vient prendre le contrôle. C'est fini. C'est fini. Il prend le contrôle. Parce que c'est lui le père de la rébellion. Amen. Amen. On dit amen. Amen. C'est lui le père de la rébellion, c'est Satan. C'est Satan qui est le père de la rébellion. Dès que tu désobéis à Dieu, un démon entre dans ta vie. On dit amen avec moi. Amen. On dit amen avec moi. Amen. Satan, il te connaît. Il sait que tu es en train de livrer un combat. La seule chose pour te faire perdre le combat, il va te proposer de pécher. Tu es là, il vient, il dit, il vient. Tu vois que le monsieur vient, il te regarde bien. Ton ancien gars, va, tu as tout péché, confessé tous tes péchés, tous les petits saletés là, tu as tout dit aussi à Seigneur. Seigneur, moi-même là, c'est fini. Tu es mon ensemble, on va mourir ensemble. Ok. Toi-même, tu vois que tout est sec. Pourtant, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Dieu va te mettre à l'épreuve. Tu vois que c'est le Saint qui arrive. Tiens. Tu restes sans fanger dans ta main. Hein? Pour manger même là, c'est pas là. Tu regardes. Maintenant, le monsieur vient. Tu regardes. Tu commences. À qui tu as dit merde, je suis Jésus. Va te Satan. Tu dis mon Dieu, c'est quoi ça? Il dit viens, non, c'est pour te dire bonjour. Il dit, tiens, enveloppe. Tes yeux ont commencé à changer. S'il te plaît, monte dans la voiture. Tu vas monter. Après le 200 000. Ah, c'est pas petit à l'homme de donner. C'est l'argent pour tuer ton cœur. Quand tu vois même Jésus, même tu as envie de le. Pourtant, tu es en train de combattre. Les sorciers commencent à tomber. Tu n'es plus loin de la victoire. Lui, il vient, il met ça à l'eau. Quelque chose de 2 secondes, ça ne dit pas beaucoup. Dans la chambre, c'est pas beaucoup. Tu as gâté. Quand tu finis là, voyez le cauchemar qui fait la nuit. Tous les taxis là, ils sont faits. Mais, tout le monde veut te tuer. Tous les sorciers ont envie de te manger. Voyez, maladie va commencer à te prendre. Parce que le diable de connaissance va venir te proposer le péché. Et tu as perdu le combat. Ah, je suis en train de combattre depuis là. C'est parce que tu es dans le péché. Que tu n'as pas la victoire. Or, la Bible dit que l'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Si tu ne t'arraches pas du danger, regarde ta position. Tu dis amen. S'il n'arrive pas à t'arracher du danger, il faut regarder ta position. Ce n'est pas un homme de Dieu qui a venu. Non, ta position. Vous voulez qu'on prie pour vous partout. Amen. Amen. Le péché. Ce qui a fait perdre la position, l'homme. Dieu avait béni l'homme dans le jardin. Satan lui a proposé le péché. Paf. Les enfants viennent vous prendre, vous mangez. Les bébés. Tu es là, guerre, là, tu es ici, l'enfant est abri. Un enfant. Quand tu es attaché dans l'arbre. Il y a un, on le chicote, on dit, il ne mange pas bien herbe. Il dit, il refuse herbe. Bah.
On te nourrit herbe, tu ne peux plus manger à Djibé. On dit ici là c'est herbe, on te donne. Tu ne peux plus manger à Djibé. Mais. Répète. Parce que toi, ta position est Dieu là. C'est péché. Dieu voit la désobéissance dans ta vie. C'est ça qui fait que tu perds le combat. Amen. On peut même te consacrer à Dieu. Si tu tombes sur ce terrain, c'est fini. Dieu s'est loin de toi. Satan connaît des choses. C'est à partir de la désobéissance que les démons qu'on entend. Amen. Et quand les démons qu'on entend, c'est pour te détruire. C'est pas pour faire camaraderie, toi. Démon, c'est pas venir jouer camaraderie, faire soleil, venir courir. Non, c'est venir te tuer. Amen. Non, c'est que sur moi, c'est une seule fois que j'ai fait. J'ai trompé ma femme. Une seule fois, ça a donné mille fois. Une seule fois t'as fait là, les démons sont rentrés et c'est devenu l'habitude. Tu ne peux plus le maîtriser. Là où on ne peut plus se maîtriser, il y a un démon. Amen. Tu vas pas parler, le monsieur est dehors parce qu'il a un démon en lui. Amen. C'est un démon d'infidélité. Ça ne peut plus rester à la maison. Tes conseils là même, ça l'énerve. Il a dit aux gens, quelqu'un qui est possédé, quel conseil va écouter? Non, c'est-à-dire, va dire oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non. Il sort, il est dedans. Parce que le démon est là. Le démon possède sa volonté. Il n'a plus de volonté, il n'a plus de décision. Quand la petite dit, quand il est dans l'air, il s'en va. Une fois tu as cherché à faire, c'est devenu l'habitude. Tu peux plus. Comme il disait que tu ne peux plus les faire. Là, on ne peut plus les faire, il y a des démons. Mon cher, faut que je sois délivré. Un démon est dans ta vie. Et toi-même, tu souffres. Ben, tu prends souvent les décisions. Les petits chers. Vécu. Vécu. Le démon est là, il est assis, il mange. Et toi. Ce n'est pas des prières vécues, vécues, la galère jaser. Amen. Dès qu'il appuie, toi, tu t'en il appuie, tu t'en et quand tu as cette habitude d'être toujours dans la désobéissance, tu perds la grâce de Dieu. C'est là les sorciers arrivent à vous avoir. Ah non, j'ai prié, je suis allé mettre chez les prophètes, et puis quoi? C'est ce que tu fais, la sorcière va démanger. On dit l'ange et l'éternel campent au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrachent du danger. Les craignent et les arrachent du danger. Là, tu ne crains pas Dieu. Tu aimes Dieu, tu ne crains pas. Alors, bien saisi. Mais aimé Dieu, puis crains Dieu. Tu rêves, tu dis, Tu n'es pas dans ma voyage, mais regarde. Les gens disent, crains Dieu. Mais toi, tu aimes Dieu, tu t'en fous. Et qui est sûr? Et qui est sûr? Il va. Il fait Dieu, pourquoi vous savez? Dieu, il fait gêne, il va te pardonner. Les gens, ils voient ça en gêne, sec. Quand il est fini, je connais Dieu. Je connais Dieu. Il va me pardonner. Seigneur, il ne mange pas le Dieu. Hein? Vous banalisez la mort de Jésus à la croix. Vous banalisez la mort de Jésus. Petite désobéissance, ça voit les démons dans vos vies. Ils viennent s'asseoir. Parce que le démon sait qu'il ne peut pas avoir accès à ta vie. La seule chose qui peut permettre aux démons de rentrer, c'est la désobéissance. Puisque tu as désobéi, tu as brisé le mur de la protection. Tu as brisé ça. Et le démon veut s'asseoir. Ta femme a parlé. Vous avez dit, tu as compris? Vous avez dit, oui, j'ai compris. Vous avez dit. Il a dit ainsi, il pleure. Il pleure sur moi. Ma chérie, vraiment, je ne comprends pas ma vie. J'ai mis les gens. Envoyez-la les délivrer. Amen. Amen. Tu vas pour prendre sa chemise. Tu vas pour l'enfermer. Il va sortir. Amen. Le jour où tu décides, on dit, tiens l'argent, il est sorti, toi tu as accepté. C'est un esprit de protection de notre vie. J'ai payé une seule fois. Comme il n'y a pas l'argent là, je vais prendre l'argent là pour aller régler mes petits problèmes. Comme tu as appris, là, un démon est venu dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la prostitution. Tu n'aimes pas les gens, mais tu prends l'argent. Et toi, tu ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça? Tu n'aimes pas les gens. Tu n'aimes pas. C'est un démon qui est venu ce soir là. Le jour des prostituées, un démon est venu dans ta vie. On ne peut plus maîtriser ça. Toi-même, tu ne comprends pas ta vie. Derrière un péché. Je trouve un démon. Et quand tu es dans la désobéissance, tu es livré au diable. Tu es le père de la rébellion. On dit malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il te propose le péché. Quand tu acceptes, paf,
il te frappe. C'est pour ça que souvent on est dans l'église, on a tous les problèmes, les démons. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. On a tous les problèmes avec des démons. Amen. Là où on ne peut plus se maîtriser, c'est qu'il y a des démons. Il y a des gens, mais c'est des menteurs jusqu'à fatiguer. Des sorcelleries. Ils sont experts en mensonges. Bonjour, il ment. Bonsoir, il ment. Viens manger, il ment. Tu mens, tu plais ta femme jusqu'à. Et t'attraper maintenant. Vous savez que mentir, c'est pas bon. Quand tu mens, t'attrapes, on ne fait plus confiance. Il y a des gens, mais eux, ils ont des. Comme quand ils te mentent, comme c'est un dernier mentir, mais c'est intéressant. C'est tout, c'est dit. Il y a des gens qui sont terribles à mensonge. Toi, mais c'est immense, mais c'est intéressant, tu es tout écoute. Hein? Mais c'est tout, hein? Si tu montes, on les appelle les anarcheurs. Il y a une fille qui a envoyé ça, un monsieur ici, mon gars. Elle vient, lui. Elle dit, c'est un fou de balle. Il joue en roulette. Il joue en Turquie. Il va aller en Turquie. Il est au Cap Vert, tout ça. Donc moi, j'ai commencé, j'ai dit bon Dieu, ça dit bonjour. Quand il a commencé, il parlait pas. Tu viens de dire, il faut sortir. Il avait dit, lui, là. C'est ça qu'on appelle un naqué. Tu es grosse comme ça, tu m'as gagné. Il dit, mais qui va payer billet d'avion de Turquie, là? Il dit, c'est moi. Tu l'as connu, ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois. Je suis mis en ligne maintenant. Il n'a pas de parents. Elle est à Bijan, il dort. Chez son ami, il dit, mais toi-même, qu'est-ce qui est dans ta tête? Et bien, j'ai compris qu'il a fait des pratiques mystiques. J'ai dit, mais coup, tu l'as gagné. Je ne sais pas si le feu, ça dit oui. J'ai dit, c'est fini. Vas-y, travaille ton esprit. Travaille votre esprit. Les plumes mystiques. Tu ne peux plus dire non. Tout ce que tu dis là, c'est oui, oui. Puis, il y a même des démons dans ta vie. J'ai beau parler, l'aime, le gars. J'ai dit, il va te donner quoi? Ici, quelqu'un a donné quoi? Comment là, tu manges? Comment tu le gars a donné quoi? Lui, là, ici, il a payé son billet là-bas. Tu as payé son billet là-bas, il est parti, c'est fini. Tu t'embrasses, il n'y a rien dedans. Il te donne, c'est là qu'il perd des gérés. Hein? Vos mensonges là, le feu sur vos bouches là-bas. Vous mentez jusqu'à en fatigue. Mais c'est un démon qui a dans ta vie. Il y a des gens qui ont envie de mentir. Pour rien, il veut mentir. Il dit, monsieur, pourquoi tu mens? Il a envie de mentir. Il y a des gens qui veulent mentir, c'est un démon. Il y a des gens qui sont dans l'esprit de vol. Le jour où tu as volé, petit sur un démon, dans ta vie, c'est fini. Quand tu vois quelque chose, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas peur des choses des gens. Tu les dis, quelque chose qui va gâter ton nom. Tu n'as pas peur. Et là, il dit rien. Lui, c'est gâteau dans les chèches. Pourtant, Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Vous savez pas que ça va dire du nom qu'on a toute la grâce, la bénédiction. Il ne faut pas jouer ton témoignage. Il y a quelqu'un de jouer ton témoignage. Quelqu'un de jouer ton témoignage. Quand tu es avec quelqu'un, il faut bien faire pour garder. D'ailleurs, lui, il peut bien parler de toi. Lui, il est bon, hein. Oh, c'est lui là, c'est lui ma belle. Ta société a tombé. Il a. Non. Témoignage. Partout où tu passes, laisse ton bon nom. C'est à partir des bons noms là que Dieu envoie des choses. Vous savez que quand Dieu veut bénir quelqu'un, c'est l'homme qui est pour bénir, c'est la connexion. Quand Saül la reine, et puis de Samuel la reine Saül comme roi. Il dit, dès que tu me quittes, près du puits, le cible, le sépulcre de Rachel, tu vas rencontrer des gens qui t'indiqueront le chemin. C'est des gens Dieu en montant avec toi. Et tu te donnes encore de ton témoignage. Donc, là où tu es là, il ne faut pas gâter ton nom. Il ne faut pas voler l'argent des gens. Il y a des gens qui se volent, partout se volent. Ils n'ont pas peur de toucher l'argent des gens. Ça n'est du rien. Ils gâtent. On donne l'argent et gâte. Derrière un péché, il y a toujours un démon. Amen. Il y a des gens quand tu donnes l'argent, ils vont gâter. Parce qu'ils ont un démon dans leur vie.
Donc c'est que j'ai dépensé 1000 francs, c'est fini, il a gâté ton âme. Il a gâté ton âme. Derrière un péché, se cache toujours un démon. Est-ce qu'on a bien saisi? Donc, les démons ont dans la vie des gens à partir du péché. Ils viennent te proposer des choses, tu ne peux pas. Là où tu ne peux plus te maîtriser, c'est qu'il y a un démon. Tu vois qu'un enfant, il est possédé, il est voyou, il vole. Vous le frappez, ça ne marche pas. C'est un démon. Vous êtes en train de frapper le corps. Mais un démon en lui, vous devez chasser. Amen. Amen. On dit amen. Amen. C'est pour ça que tu as perdu le combat. Le combat. Tu as perdu le combat parce que tu t'as donné pour le jeune de l'adolescent. Prenez Deutéronome le chapitre 28 et lisez-moi le verset 27. Le verset 7. Deutéronome chapitre 28, le verset 7. Je vous assure, nous sommes dans les mois les plus dangereux de l'année. Ne jouez pas votre vie. Ne jouez pas ça. Si vous amusez là, vous allez glisser partout. Le jour où Satan s'est levé, il dit Job là, laisse-moi le manger. Dieu dit va, Job ne va jamais me laisser. Comme Dieu me l'inquiète. Quand Satan s'est levé, Dieu dit pardon, lui là, il sait qu'il doit l'avoir. Pardon. Il vient, pardon. Pardon, lui là, il doit l'avoir, il le connaît. Il ne t'a pas glissé. Détourne le chapitre 28, verset 7. On peut faire la lecture. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Il dit l'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire sur tes ennemis. Allô? Ils s'élèveront contre toi. Ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Le verset 1. Lisez le verset 1, vous allez comprendre le verset 7. Le verset 7. Le verset 1. Le 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, il dit en observant et en mettant en pratique, c'est pas seulement observer, mais en mettant en pratique tous ces commandements, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, réponds le verset 7 maintenant, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Si tu observes et tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Si tu as perdu un combat, c'est que toi tu ne veux pas bien avec Dieu. Et Dieu ne bénit pas n'importe qui. Là, vous l'invoquez, il ne va jamais venir. Mais Dieu est bête. Amen. Amen. Dieu n'est pas bête. C'est vrai, il bénit. C'est vrai que tu l'aimes, mais tu ne le crains pas. Pourtant, la protection, la Bible dit que l'ange de l'Éternel, campe au-dessus de tous ceux qui les créent et les arrache du danger. Tu as un mari déjà dans la chambre, les sorciers viennent, ils veulent converser lui sur toi, tu n'es pas là-bas. Hein? C'est fétiche ou bien? Mon Seigneur, protège-moi. C'est qui fait là, c'est bon. La femme est souple là-bas. Ton mari de quelqu'un. Hein? Il dit arrête de protéger. Sorcier, mange ça. C'est pour ça que ça ne finit pas. Tu as des cauchemars. Rien ne s'arrête, malgré les prières. Parce que la position, ta position vis-à-vis de Dieu, c'est une position de désobéissance. Dieu ne peut pas venir te secourir. Prenez Isaïe 59. Est-ce qu'on a bien saisi? Allez, vous, là, vous ne voulez pas faire d'efforts, quoi. Vous êtes assis, Dieu n'a qu'à vous protéger. Vous cherchez femme des gens, mari des gens. Dieu n'a qu'à venir vous protéger. Vous volez, vous mentez, vous êtes voyous. Dieu n'a qu'à venir vous protéger. Ok. Isaïe 59. Je voulais traiter la parole. J'espère que je ne suis pas en train de vous blesser là. Mais... Non, la main de l'Éternel. Non, la main de l'Éternel. Non, la main de l'Éternel. N'est pas trop courte pour sauver. Dis amen. Amen. N'est pas trop courte pour sauver. Amen. N'est pas trop courte pour sauver. Amen. Oui, alors. Ni son oreille trop dure pour entendre. Tout pantant. Mais ce sont, mais, ce sont vos crimes. Mais. Ce sont vos crimes. Allons-y. Ils mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés. Ils vous cachent. Je lui cache sa face. Sa face. Et l'empêche de vous écouter. Et l'empêche de vous écouter. Dieu, amen. Et l'empêche de vous écouter.
non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Mais ça aurait trop dur. Mais ce qu'il fait là, c'est qu'il fait que c'est réduit. Le jour où tu vas t'arranger pour reconnaître ta femme, ce comme femme, tu verras Dieu dans ta maison. Il dit bien. Alors, c'est malade. Le jour Jésus, avec tout le péché de l'humanité sur lui, Dieu l'a abandonné. Même Jésus, il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Jésus avait le péché de l'humanité sur lui. Dieu l'a abandonné. Comme toi. Frère, tu es en train de vivre un combat. Nous sommes dans les mois les plus dangereux de l'année. Et le diable, sachant ça, il va te maintenir là, dans cette position de désobéissance à Dieu. Parce qu'il a un objectif, c'est de te tuer. Et où ne veut pas faire d'effort, et tu vas mourir. Le jour où Moïse a désobéi à la voix de Dieu, le grand Moïse, l'homme le plus patient de la terre, il a désobéi. Il est mort. Il est mort, il n'est pas dans Canaan. Dieu dit pas le rocher, il a frappé le rocher. Dieu dit, regarde Canaan. Toi, entrez, c'est faux. Il est mort. Frère, il faut revoir ta position. Viens, quelqu'un revoit ta position. Nous sommes dans un combat, frère. Vous ne pas perdre ce combat. Amen. Amen. Vous pouvez poursuivre l'enseignement sur plusieurs dimanches. Amen. Plusieurs dimanches pour qu'on puisse comprendre l'enseignement. Réponds-moi, Isaïe 59, s'il te plaît. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Pour sauver. Pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Nous son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés, vos péchés qui vous cachent la face. Lui cache ça. Et l'empêche de vous écouter. Cache sa face. Cache. C'est-à-dire, quand tu vois les cache, c'est fini. Et qu'il empêche de. Quand tu cries, il ne veut même pas, il ne coupe même pas même. C'est ce qu'il en est de faire. Ça fait que Dieu ne peut plus te regarder. Dieu ne peut plus t'entendre. Et du coup, les choses se répètent. Mais ça s'est répété. Ça n'a même pas bougé. Les séries d'attaques. Parce que tu as une position. Tu as mis une position, tu appartiens au diable. Car celui qui pêche, c'est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Est-ce que la Bible. Tenez-vous des bons, nous allons prier ici. Enseignement, j'ai donné ça à plusieurs dimanches en temps. Et ça nous fera du bien. Amen. 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 Non, quand je suis venu chez le prophète Grassos, ça, je ne vais pas manger. Ah. Va chercher pour des gens. Donc, tu manges sauce arachide, tu vas comprendre. Sauce quoi là. Cette fois, c'est un cabato. Ils ont faim, c'est en fin d'année. Ils ont faim. Et tu vois, il y a un cabri. Et pas c'est Michu, en fait. Michu, là, c'est tout le monde, le quartier qui vient manger. Mais tout, là, on invite tous les sorciers du quartier. Les sorciers, sa maman, vient manger. Tu es grossi, viens manger. Amen. Amen. C'est vrai que c'est difficile. Mais je pense que Dieu est miséricordieux. Tu es dans une position aujourd'hui qui fait que Dieu ne peut pas te regarder. Tu vas présenter l'état de ton cœur à Dieu. Lève tes deux mains. Nous allons ensemble prier. Si vous-même te mettre en genoux, mets-toi en genoux. Prends la position. Voilà. Demandez pas. Tu vas demander par moi. Tu vois ma position aujourd'hui. Tu vois ce que je fais aujourd'hui. Fais-le par moi, tu ne peux pas me bénir. Donne par moi, tu ne peux pas m'assister. Dieu, demande pardon. Pardon. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche. Et prie ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh Rabara Shaka Baba Baba Baba. Oh le Shaka Baba Baba de Prise. Oh de Prise Baba Baba Baba. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Merci, ma Dieu, de nous assister. Merci de nous faire du bien. Je suis un peu plus de temps.
Oh,
Oh,